Alors bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui c'est Stylers pour une vidéo entre le partage de fichiers entre machines réelles et virtuelles sous VMware Workstation 8. Donc on va créer un partage de fichiers, donc du dossier mes documents, donc entre Windows 7 Ultimate et Windows Server 2008 R2. Pour ça on va aller dans les options de la machine virtuelle, on va cliquer sur options, shared folders, always enabled, et là donc on met que c'est un dossier partagé en réseau, donc pour les autres Windows. Donc on va choisir notre dossier tout simplement, mes documents, ok, le nom, next. Donc on coche bien Enable Dichar pour que le dossier soit visible. Et Read Only c'est si vous voulez que ce soit impossible à modifier sur la machine virtuelle. On fait ok. On va tout simplement démarrer la machine. Donc là on va voir donc tout ce que j'ai dans mes documents, tout ce que j'ai ici, on va le retrouver donc sur notre machine virtuelle. Ça permet par exemple si sur la machine virtuelle on veut tester donc un fichier pour voir qu'il ne comporte pas de virus, on va le mettre sur la machine virtuelle, on va le télécharger donc sur la machine virtuelle, après on va le faire glisser dans le dossier mes documents. Et ça va nous renvoyer le fichier donc sur la machine réelle. Et ça permet donc d'éviter beaucoup de risques. Donc là, on va aller dans réseau. On va activer la découverte du réseau pour que Windows Server explore donc toutes les possibilités du réseau. VMware Host, Shared Folder, mes documents. Et donc tous les fichiers que j'ai dans mes documents, on les retrouve sur la machine virtuelle. Voilà tout, au revoir.